Voilà. N'est pas coutume, c'était, je crois, pour la bonne cause, pour que chacun puisse nous rejoindre, compte tenu des contrôles à l'entrée qui ralentissent beaucoup la fluidité. Merci à vous tous de nous avoir fait le plaisir de répondre à notre invitation pour venir inaugurer cette 86e fête du citron. Je tiens, vous imaginez bien que je ne vais pas remercier de leur présence toutes celles et tous ceux qui le justifieraient. Hein, on y passerait une ou deux heures, ce serait excessif. Donc, vous comprendrez et me pardonnerez de m'en tenir juste à quelques remerciements que je vais limiter au niveau national de ceux qui sont ici, ce qui était le cas du préfet Georges-François Leclerc, qui nous a fait l'amitié d'inaugurer cette fête du citron, 86e du genre. C'est le cas, mais il est toujours là, de Jacques Boisson, qui est le secrétaire d'État de Monaco, le voilà. Mais également de Serge Tell, le ministre d'État de Monaco, qui est là. Je tiens à saluer aussi, bien évidemment, après son départ, Georges-François Leclerc a passé le relais à Gwenaëlle Chapuis, qui s'exprimera au nom du préfet tout à l'heure. Je tiens à saluer aussi les parlementaires, Alexandra Valletta-Ardisson, qui est députée des Alpes-Maritimes, et puis Colette Giudicelli, qui nous a fait un passage rapide qu'on va retrouver tout à l'heure, et qui est sénateur et conseiller départemental. Je tiens à dire à Madame l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Monaco, Madame Marine de Carnes, très ce son que nous sommes très très heureux qu'elle ait pu se libérer pour être là, et à Daniel Boëry, conseiller national, représentant Stéphane Valéry, président du Conseil national de la Principauté de Monaco. Et puis je tiens à dire aussi à Franck Vinès, sous-préfet, secrétaire général adjoint chargé des politiques sociales et de la ville, de sa présence. Et puis j'aimerais aussi dire à Pierre-Paul Leonelli, conseiller régional qui rejoint, qui représente Renaud Huselet, à Éric Jacquemin, consul général du Royaume de Belgique, à Kamel Benassine, consul général de Tunisie, et puis à tous les maires français, et puis aux deux maires et à leurs collaborateurs de nos villes jumelles, de nos principales et plus proches de nos cœurs villes jumelles, qui sont, madame le maire de Baden-Baden, et puis monsieur le maire de Montreux. Madame Margaret Mergen pour Baden-Baden et Laurent Verly pour Montreux. Ce sont des communes avec lesquelles
on a un peu plus que, comment dire, des ressemblances, on a des complicités. On se sent totalement en connivence. Et puis, bien évidemment, je tiens aussi à saluer les maires italiens qui nous font ce geste qui n'est pas qu'amical, qui est symbolique, qui consiste à être là pour l'inauguration de la fête du citron. Je voudrais n'en oublier aucun. D'abord, et ce n'est pas un maire, Fabio Natta, qui est le président... Dov'è ? Ah, il est là. Qui est le président de la province d'Imperia, de la provincia di Imperia. Grazie, grazie molto, Fabio. Claudio Scaiola, qui... Où est-il ? Claudio Scaiola, qui est là, qui est l'ancien ministre et le maire d'Imperia aujourd'hui. Enrico Iuculano, il sindaco di Ventimiglia, la nostra comune sorella. Vittoria Ingenito, qui est le maire de Bordighera. Et puis Fulvio Gazzola, qui est bien connu à Monaco et apprécié, qui est un ami aussi, et qui est il sindaco de Dolce Acqua. Si je passe un peu de temps sur l'accueil des élus d'Italie, c'est parce que, vous savez, il y a des tensions, madame l'ambassadrice, hein, entre nos deux pays. Je crois que eux, comme nous, hein, ces maires des communes italiennes, comme nous, on se souvienne que nous sommes des sœurs latines, que nous sommes complètement immergés et que nous incarnons complètement la civilisation méditerranéenne et que sur les bords de la Méditerranée, si on n'a pas le goût du consensus, hein, quand on est toujours d'accord sur tout, qu'on ne peut discuter de rien, en gros, on est anglo-saxon, mais on n'est pas latin. En pays latin, il faut qu'on parle d'abord, il faut qu'on se confronte, il faut, comme on dit aujourd'hui en France, que l'on débatte. Après, on s'entend, après on s'embrasse, après on est amis. En d'autres termes, pour nous, cette tension franco-italienne est très exactement une querelle de famille qui n'a pas plus d'importance que ce que les circonstances, que ce que la conjoncture nous impose comme réaction compte tenu du tempérament et de la culture qui est la nôtre. Donc, je les remercie très sincèrement de leur présence hein, pour bien montrer que pour nous, sur la frontière, les relations entre Français et Italiens, Italiens et Français, elles sont amicales, elles ont toujours été et on souhaite continuer à ce qu'elles le soient. Et je le dis d'autant plus que nous sommes dans l'année, qui va vous faire sourire, de l'Italie en France, à l'occasion du 500e anniversaire de la mort de Leonardo da Vinci. Et donc on va voir comment on gère ce 500e anniversaire, et je suis sûr qu'on saura, nos deux pays sauront le célébrer avec fierté, amitié et reconnaissance hein, dans cet homme qui est né en Toscane et qui est mort sous les bords de la Loire, qui est l'illustration même des liens culturels anciens entre nos deux pays. Alors là, nous sommes à la 86e édition de la fête du citron, peut-être une vieille dame, mais qui rajeunit au fur et à mesure, et je vous dirai comment et pourquoi. Elle est née en 1928 dans un jardin, celui du Riviera Palace, une exposition de fruits et d'agrumes et de fleurs. Et puis progressivement, elle s'est substituée au carnaval et a pris la forme de cette présentation de motifs et de chars décorés d'agrumes et particulièrement du citron.
cette fête du citron. Pour tout vous dire, il y a 30 ans, ou presque, on s'est dit, bon, peut-être qu'elle n'est plus complètement dans l'air du temps. On l'a quand même gardée, en la faisant un peu évoluer. Et puis aujourd'hui, c'est devenu, avec 240 000 visiteurs, l'une des fêtes les plus remarquables, les plus remarquées au niveau mondial. J'ai été très surpris de découvrir, il y a quelques jours, que Travel Begins et le Petit Futé, qui font un top 10 des grands carnavals ou des grandes fêtes dans le monde, nous classent l'un et l'autre en deuxième ou troisième position. Elles sont les deux seules, nous sommes avec Rio de Janeiro, les seules à être citées par ces deux palmarès. Et donc, moi, ça m'a fait ouvrir de grands yeux. Je me suis dit, mais bon, on avait fait des choses en 30 ans. Hein, on avait créé des corsos de nuit, des jardins de lumière, on avait allongé l'itinéraire, on avait essayé de faire la fête de plus en plus participative, mais sans rapport avec d'autres exercices politiques, simplement que les spectateurs participent à la fête et ne soient pas simplement des gens qui regardent défiler un corso. Mais on n'imaginait pas que la fête du citron était arrivée à ce niveau de notoriété. Ce qui veut dire que l'année prochaine, et là je parle aux 400 agents territoriaux de la ville et aux élus, et à l'élu chargé du tourisme, qui est Sandrine Frex, il va falloir mettre le paquet. Il va falloir faire aussi bien qu'on avait fait l'an dernier avec Bollywood, qui présentait de superbes motifs, mais qui ont été inondés par une météo malveillante. Cette fête du citron, le succès, il tient en peu de choses. C'est le temps. C'est un succès quand il y a du soleil. On perd de tout ce qu'on veut sur le plan budgétaire et on n'y est pas indifférent quand il pleut, ce qui fut le cas l'an dernier. Pour le reste, c'est le choix du thème. Et on a un vrai problème avec le choix du thème parce que au bout de 30 ans, difficile de se renouveler pour trouver des thèmes qui permettent de réaliser des motifs qui soient des motifs spectaculaires. Hein, au départ, quand on avait commencé, la fête du citron, c'était des cubes. Hein, c'était des monuments, de grandes façades, plates. Puis de plus en plus, on fait évoluer vers des formes de plus en plus subtiles, de plus en plus complexes. Et ça, vous l'avez compris, hein, ça tourne en gros autour de Bollywood, autour de Cinecittà, autour d'autres thèmes qui sont des thèmes en gros orientaux ou orientaux. Et donc maintenant on a attaqué une autre séquence avec les mondes fantastiques. Il va falloir qu'on trouve la façon d'exprimer le fantastique autrement que tel qu'on le voit aujourd'hui, même si c'est bien aujourd'hui. Et je me disais qu'il faudrait peut-être explorer le monde animal, les insectes, les fleurs. Il y a des insectes fantastiques, hein, si on les grossit. Bon, bref, le choix du thème. Je ne veux pas être trop long, mais je voudrais vous dire que cette fête, si nous en sommes fiers, si nous y sommes attachés, c'est parce qu'elle est réalisée en régie. Ce sont les agents de la ville de Menton, pour l'essentiel,
sauf pour la ferronnerie des gros motifs des 15 tonnes de métal, c'est eux qui travaillent sur la fête du citron. Ils y passent presque toute l'année, en tout cas c'est 20 000 heures de travail, c'est 150 ou 140 000 tonnes d'agrumes, c'est 750 000 élastiques, c'est tous les corps de métier qui travaillent dans les anciens abattoirs de la ville. Et pour nous, la fête du citron, c'est aussi une façon de remercier les agents, les 400 agents qui y travaillent, c'est de leur dire notre fierté de leur savoir-faire, c'est de les motiver. Et si vous repassez sur le site de la fête du citron, dès demain, vous verrez des photos de Jean-Pierre Rey qui sont en cinèse sur les palissades, sur l'extérieur des palissades, et qui les montent au travail avec de sacrées gueules. Et bon, on tient à les mettre en valeur parce qu'ils sont des travailleurs de l'ombre et qu'ils ont beaucoup de talent. La fête du citron, c'est aussi, c'est enfin, et je vais terminer par là, alors qu'il y aurait mille choses à raconter sur la fête et ses légendes, mais la fête du citron, c'est le citron. Et le citron, c'est devenu le symbole de la ville de Menton. On a essayé de faire de notre ville, d'identifier notre ville à autre chose, une ville culturelle, tourisme de culture et de nature. Et puis, quoi que l'on fasse, quand on parle de Menton ailleurs, on dit, ah oui, le citron. On est totalement piégé, identifié par le citron. Et on en est fier parce que c'est un fruit d'or, un très beau fruit. Mais ça nous a même amené, et là vraiment je vais terminer, je dis en face d'Yves-Juel, adjoint à l'urbanisme, quand on a refait le PLU, le plan local d'urbanisme, on a augmenté de 907 à 162 hectares de plus les zones agricoles et naturelles. Et on a augmenté les zones urbanisables uniquement de 71 hectares. On préserve la terre, on veut pouvoir planter suffisamment de citronniers pour que demain, en termes de tourisme, Menton soit une espèce de joyau urbain enserré dans des citronneraies. Et nous voulons développer la culture du citron parce que en ayant obtenu l'IGP, et je salue le président de la PCM qui l'a obtenu et qui est là parmi nous, avec cet IGP, nous sommes convaincus que le citron peut développer un vrai secteur d'activité économique, touristique et autres. Donc merci infiniment, pardon, j'ai été bavard. L'essentiel de mon propos était de vous remercier de votre présence, de votre fidélité à notre ville et de l'attention que vous portez à cette vieille dame. Mais il y a quelque part de la jouvence à Menton, puisqu'elle ne cesse d'attirer de monde et de rajeunir. Un mot encore, juste pour vous informer, la fête du citron, jusqu'à il y a quelques années, elle attirait surtout ce qu'on appelle des charistes, c'est-à-dire des personnes qui venaient à Nice et à Menton pour le carnaval et la fête du citron, dans des cars qui arrivaient à 11h du matin et qui repartaient à 4h de l'après-midi après le premier tour de Corso. Ils ne regardaient même pas le deuxième, il fallait qu'ils rentrent. Donc ça n'apportait rien à la ville. Depuis 2-3 ans, Tendrine, de plus en plus de visiteurs viennent en voiture particulière, viennent en famille. Il y a le même nombre
de cars, en gros 350 cars par dimanche, bus par dimanche, mais un nombre de plus en plus important de personnes qui sont autonomes, qui ne partent pas à 4 heures, qui restent plus tard, pour qui il faut organiser un after, hein, after corso. Et puis, pour passer le relais à Madame le sous-préfet, à Madame Chapuis, qui le dira plus éloquemment que moi, cette 86e fête du citron, comme celle de l'an dernier, est caractérisée par la mise en place de dispositifs de sécurité qui sont, je ne dirais pas exceptionnels, puisque déjà ils étaient là l'an dernier, mais dont nous sommes, et je fais les cornes, convaincus qu'ils assurent une sécurité optimale pour les visiteurs de cette fête, pour qu'ils puissent se sentir en sécurité. Et nous tenons bien évidemment à en remercier Monsieur le Préfet, tout le corps des sous-préfets, en particulier Madame Chapuis, qui est le sous-préfet Nice-Montagne. Je ne sais pas pourquoi on est classé Nice-Montagne, mais bon, c'est comme ça. Tous les services de l'État, de la gendarmerie, de l'armée, je salue d'ailleurs, j'aurais dû le faire tout à l'heure, le nouveau directeur départemental de la sécurité de la DSP, de police, le contrôleur général Ivy, que nous sommes très heureux de revoir dans notre département. Merci infiniment de votre patience. Merci aussi de votre attention. Madame Gwenoël Chapuis, sous-préfet de Nice-Montagne, représentant Monsieur Georges-François Leclerc, préfet des Alpes-Maritimes. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, en vos grâces et qualités, nous étions tout à l'heure sous le dragon, un dragon irlandais à Crète, si j'ai bien relu mes cours de dragonologie, lorsque le préfet me dit « J'ai une urgence, vous ferez le discours ». Je me suis sentie telle Alice descendant dans le trou et me voilà de l'autre côté du miroir, en tout cas devant le micro. Monsieur le maire, je tiens à vous remercier pour cette magnifique inauguration. Donc, j'avais pris un arrêté préfectoral, pas comme l'an dernier, pour beau temps. Donc là, on est bien. La fête de Menton, vous l'avez dit, c'est l'un des plus beaux festivals du monde. Et pourquoi? Parce que Menton se renouvelle. Vous vous renouvelez dans le thème. Je suis sûre que l'année prochaine, vous allez trouver un nouveau thème. Et surtout, vous assurez la sécurité à tous les festivaliers qui viennent, à tous ceux qui sont présents ici. C'est un effort financier, monsieur le maire, on en est conscient. Vous êtes toujours là, au rendez-vous, pour dire oui, toujours plus de sécurité. Et les forces de l'ordre, que je remercie, que ce soit les gendarmes, les militaires, les policiers, les sapeurs-pompiers pour le secours à personne, les associations aussi civiles de protection, sont toujours là pour dire oui à Menton. Et on dit oui à Menton parce que cette belle fête, bah, c'est la fête, c'est une union nationale. Une union nationale, presque une union sacrée. Lorsque l'on vient à Menton, on a des Français, des Monégasques, des Italiens, on a des jeunes, des plus anciens. Tout le monde participe à son niveau à faire de Menton la plus belle ville de France pendant son carnaval. Il faut le dire, je suis un petit peu chauvine, mais sous-préfet Nice-Montagne, c'est le carnaval de Menton. Donc merci monsieur le maire pour tous les efforts que vous consentez. Continuez ainsi, parce qu'en faisant rayonner Menton, vous faites rayonner la France et la République. Vive Menton, vive la France, vive la République.